c'est un peintre et un sculpteur qui a vécu pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Et en fait, ses grands jours, il les a connus à partir de 1885 jusqu'à sa mort en 1905. Son message, il en est très clair, il se considère lui-même comme ouvrier artistique, et il prend position en faveur des petits gens, disons, tout en les respectant. En 96, il a connu de très grands succès à Paris, et c'est grâce à ses revenus qu'il a pu construire cette maison par l'architecte Lune ici à Ixelles. Dans ce musée, vous voyez, disons, les œuvres précisément industrielles. Donc, aussi bien des sculptures monumentales que de petits formats, les grands tableaux, les esquisses, les projets pour le monument au travail. Donc, en fait, vous voyez ici, disons, les œuvres qui ont été réalisées pendant les deux dernières décennies.